banen baban pulush bakari haboma na koi kalabafika bajuko kabichi kujibene bibambal bishirishi langana bia munda mwadi tunga bomu di conseil économique et social bena cour constitutionnel bena bibambalu bomu di ba miloho ba munda mwadi tunga da Congo démocratique anyi ba mena bomu di muloho VPM wa affaires étrangères au Karimwikala musomba mwabeu uri mwikala utangila mianda ya jilama bantu jilama mfumo waditunga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tatu bekasongo ukalipenda mwikala mwabeu nansha jirkab bonsu mbasomba bashala binjilana bwase bamuno mushindu wa kufika kuji Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeya uri mwikala nchijiji chikola kolayi bwalu bwase kufa babun bafubika la miko wa misango bapampakana karapato tokula hapa bonso mbabang kui bijil mwishori bambase nibi bijil wachini bwalubwa nuliba mwuneni nashia bena senko badifabu mwontu emu batulubafu wa nguve na mulombo juwavili province wa Kinshasa ukadifenda mwika la mana kufika ni bajumu umu kudibene bitemirelu bijimenena anyi mtu bika la bambase eglise de reveil badibika la mu bena muka sumbu kasime bobo wa babasama bika la mwono mshindo kulondolo la mianda bwalubwa nubashatika se jitu ilangana jia mshindo yo bilonda shi chididi chidibika la nachi kudi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tshilombo ujini chididi chakumu na mshindo wa kuikala ni muyuki mukole na mujalama waditu nga ya Congo démocratique jishintuluk ditu nga ya Congo démocratique jimuna mwakwangata luendu lufia lufi lufabu bindile kudibuku wa matunga lufabu bindile kudibantu bashiri shilangana kibualu kwa nubamu na se bulongolo jibuwa kana ni bujalama ujibuikala buwenda buwenzeka muka kesa mumuyuki wenda ufuyumuikala muna mshindo wa kwenza kuluseka lwa Addis Abeba wamunu mwakumvuja wa kujadika se na asha mvuba pana bafika pakala kadi fubi musama bibi musankisha na asha bifubi kali bitamba kumusama kumoyi kadi pinje tutoku lewo bidibi kengere buwase bintu bia mshindo au bia jike nge shangani bia banfu mbamatu mbalala mubu jitu mubu kalenga bijimu bivul kabi ya nebi akani bidibi kengere kwenza mujimu wakuma mshindo wakumanya se jishi ilana nkwasa jijijakani kadi kachia ba mnamu wakwenza masungula amuja amatu kumakumiasatu angondwa jiko ni mwibidi chidimu cha binu nibi biji nijiku mini muanda mku biji bika la bapa tula Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bumfu mulombo uri waditu ngoja Congo démocratique kena mwanju kuikala mtu ilangana chumona mesu mshindu jibi mweneke u ni ba ambasader anyi mami loho mibu njisi ya matu ngomako abunashi kibualu kwa aditu kujalelu bajini chakutu ilangana mpala kumpala ni bobo bafubika la habu bamuvu ila fabula bumfu mshindu ujibu mwikala utata mukanda wakubu mfuishi nikubashaji kila buwase chididi chididi nachi mwalitu nda Congo démocratique jie kumpala mwa mwana yonso wa mwena Congo aje kubiji asane na matama amuna mwenda umwa katomba wetu Blaise Bokoki gode kabundi aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre ou que vous soyez à travers le monde nous rappelons aux uns aux autres que nous sommes bel et bien ici à la cité de l'Union africaine où va se tenir dans quelques instants la cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique composé des ambassadeurs et des chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une importante cérémonie qui va bientôt commencer. Les invités sont déjà dans la salle. Les décors plantés pour le début de la cérémonie. La chaise qui est juste devant, c'est bien la chaise qui va occuper dans quelques instants le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va faire son entrée dans quelques instants dans la salle. Mais la grande question est celle de savoir qu'est-ce que le président de la République va dire aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. Une bonne question, mais la réponse, nous l'aurons tout à l'heure quand le président de la République va... Voilà, c'est bien le cortège présidentiel qui fait son entrée à la cité de l'Union africaine. La voiture
où il y a des drapelés, c'est bien. Celle qui amène le président de la République ici à la cité de l'Union africaine. Et devant le bâtiment, il y a la garde républicaine qui est là pour lui rendre les honneurs et la fanfare également de la garde républicaine. L'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ici à la cité de l'Union africaine. Il va descendre d'un moment à l'autre de la voiture officielle pour rejoindre la salle où sont installés déjà les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. C'est bien lui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est descendu de la voiture et qui reçoit les salutations d'un comité d'accueil. Généralement, c'est le protocole d'État qui l'accompagne dans la salle. Il n'y a pas de comité d'accueil. Hein. Directement, il est descendu de la voiture et il se dirige dans la salle où va se dérouler la cérémonie de présentation de vœux des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique au président de la République, qui fait déjà l'entrée dans la salle et accueilli par l'assistante qui est déjà là. Nous l'avions dit, le décor était déjà planté. On n'attendait plus que l'arrivée du président de la République pour que la cérémonie commence. Et voilà, il est là devant la chaise. Je venais à peine de parler de cette chaise qu'il va occuper. Il va s'asseoir pendant toute la cérémonie, suivant l'hymne national. Cérémonie, nous l'avions dit, un programme qui va commencer par le mot d'introduction du ministre, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, suivi de l'adresse du président, et le mot du doyen du corps diplomatique. Ensuite, ce sera l'hymne national, suivant le protocole d'État. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accrédité en République démocratique du Congo, distingués invités, mesdames et messieurs. À l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, le programme s'articule de la manière suivante. Nous suivons pour commencer le mot d'introduction de Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Ensuite, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter très respectueusement Son Excellence Monsieur le Président de la République pour son adresse. Avant que les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, procèdent à leur salutation au chef de l'État, nous inviterons Son Excellence Monsieur le Doyen du corps diplomatique à prendre la parole pour le mot des circonstances.
Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Vice-Premier ministre à prendre la parole. Monsieur. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organismes internationaux. Comme vous le savez pertinemment, le calendrier politique national, marqué par le processus électoral, n'a pas rendu possible l'organisation courant au mois de janvier dernier de la cérémonie d'échange de vœux de nouvel an entre le président de la République, chef de l'État, et le corps diplomatique. Ainsi, pour permettre à votre Excellence de prendre ce premier contact avec le corps diplomatique accrédité dans notre pays et vous familiariser avec celui-ci, le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale a proposé à votre haute autorité la tenue de la présente cérémonie que vous avez spontanément agréée. Je suis persuadé que cette réaction positive de votre part a dû rencontrer les attentes de la communauté diplomatique. Cette cérémonie vous offre en plus l'opportunité, Monsieur le Président de la République, au lendemain de votre investiture, de présenter les grandes lignes de votre vision diplomatique ainsi que votre conception de la place de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Nous vous en savons pertinemment gré. Aussi, sans transition, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec toute la déférence qui vous est dû pour la circonstance, puis-je me permettre de vous inviter respectueusement à livrer votre communication au corps diplomatique, impatient, j'en suis sûr, de vous écouter. Je vous remercie, Monsieur le Président.